Bonsoir à prise une matinée, un début d'après-midi assez instable à Marseille avec des nuages et des averses fréquentes. La situation s'est améliorée doucement en fin d'après-midi et dans la soirée. Les éclaircies sont revenues et se sont montrées généreuses. Côté température, malheureusement, c'était bien trop bas pour la saison avec seulement une douzaine de degrés au lieu de la vingtaine qu'on serait en droit d'attendre. Des conditions plus calmes grâce aux hautes pressions qui se maintiennent, mais aussi à la hausse des températures. On débutera même demain matin à 1 degré à Rennes, Aurillac et Lyon. Il fera 3 à Orléans, 6 degrés à Toulouse, 8 à Montpellier et 11 degrés à Bastia. Du coup, une matinée qui sera bien ensoleillée en ce dimanche. Quelques voiles nuageux transiteront dans le ciel. Ils se montreront plus épais sur les Pyrénées et la Corse, où ils donneront des flocons de neige entre 1200 et 1300 mètres d'altitude, ainsi que sur l'est du pays où on attend de la pluie sur le nord de l'Alsace. Qui gagnera la Franche-Comté dans l'après-midi? Et alors qu'il ne neigera plus sur les Pyrénées, ce sera au tour des Alpes de voir tourbillonner des flocons entre 1300 et 1400 mètres d'altitude. Il neigera toujours sur la Corse, sinon pour les autres, le temps sera au beau fixe. À noter tout de même quelques rafales de vent sur le sud de l'Hexagone. Au niveau des températures, on débutera à 8 degrés demain après-midi à Strasbourg. Il fera 10 à Grenoble, 12 degrés au Mans, 14 encore, 16 degrés à Bordeaux et 17 à Marseille. Et puis lundi, toujours des conditions ensoleillées, notamment sur l'ouest du pays. En revanche, à l'est, on attend des nuages, des averses et de la neige sur les Alpes. Mardi, de l'instabilité s'invitera sur la moitié occidentale de la carte. Avec quelques précipitations entre les Ardennes, la région centre et l'ouest du massif central, alors que la moitié est profitera d'éclaircies généreuses qui concerneront toute la partie nord du territoire mercredi. À noter des averses sur le quart nord-est, sur la moitié sud, la perturbation y ondulera, générant des nuages, des averses et de la neige sur les reliefs. Et puis la fiabilité diminue grandement à partir de jeudi avec de possibles conditions anticycloniques sur le nord de l'Hexagone et de l'instabilité sur le sud. Le temps devrait se faire davantage printanier vendredi avec beaucoup de soleil, de la douceur. Et il est possible qu'une dégradation arrivant par le sud-ouest envahisse la façade ouest samedi alors que le soleil devrait résister plus à l'est. Ce soir, passez un bon moment devant Hawaï 5-0 à 21h. Très belle soirée à tous et à demain.